que le gouvernement n'apporte pas de réponse correcte, si on continue. Thank you.
De l'Assemblée populaire d'Auxerre. Et nous, l'enjeu des retraites, ça fait partie d'un système plus global qu'on dénonce. Et donc, on est en soutien sur cette lutte des grèves depuis le début. On essaye de faire des actions parce que nous, on est plutôt dans l'action que dans la marge. Donc, à chaque grosse journée de mobilisation, on a essayé de faire une petite chose pour essayer de marquer le truc. Et donc, aujourd'hui encore, on est avec vous. Bravo aux grévistes qui entament plus d'un mois de grève et pour qui ça doit être vraiment compliqué. Pensez aux caisses de grève des petits syndicats qui sont un petit peu moins visibles, où il y a aussi des mecs qui font grève et qui galèrent parce que justement les syndicats sont moins visibles. Et puis si vous avez envie de venir jouer un petit peu avec les gilets jaunes, nous on tient une assemblée populaire à Auxerre tous les mercredis de 18h à 23h. Donc du coup ça laisse une grosse marge horaire pour venir nous rejoindre et causer avec nous. Et on change d'endroit régulièrement, donc il faut regarder sur nos médias pour trouver l'endroit. Voilà, en ce moment on est beaucoup sales sur Rue, mais on n'y est pas tout le temps. Et encore félicitations aux grévistes, et moi je dis bravo à toutes les personnes qui ont su se mobiliser en samedi de solde, parce que manifestement on n'est pas les plus nombreux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le régime général, il est géré paritairement par les employeurs et les salariés. Donc la CGT a toute sa place dans ces caisses de sécurité sociale, et notamment les caisses de vieillesse. Alors effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, l'année dernière, il a été très fort. Et il a fait peur au gouvernement. Sauf qu'il a eu des effets néfastes sur la sécurité sociale. Et ça, vous n'en êtes peut-être pas conscient, c'est qu'ils nous ont coupé beaucoup de ressources au niveau de notre sécurité sociale. Comment ? Tout simplement, vous prenez le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, donc c'était quelque chose qui était versé par l'État aux entreprises. Depuis le 1er janvier 2019, ce CICE a été transformé en exonération de cotisations sociales pour les employeurs. Ce qui a fait un gros manque à gagner dans les caisses de sécurité sociale. La remise en place des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, c'est pareil, ça a aggravé le trou de la sécurité sociale. Nos caisses de retraite du régime général étaient revenues à l'équilibre. À cause de ces mesures, et je dis bien à cause de ces mesures, cette année, en 2019, c'est 5 milliards d'euros de déficit. En 2020, on annonce 5,4 milliards de déficit. Et vous allez entendre aujourd'hui dans les médias le gouvernement communiquer sur ces chiffres. Il va vous dire, oui, il nous faut une conférence du financement avec la CFDT. Mais d'un autre côté, ils créent un manque de ressources dans nos caisses de sécurité sociale. Ils nous veulent notre salaire différé. Donc il ne faut pas se faire leurrer. Il faut faire attention à ce que le gouvernement y met en place. Et il faut continuer à se battre pour garder notre système de retraite par répartition contre ce système à points. Et il faut faire attention aux ressources. Il ne faut pas se priver de nos ressources. Le fait qu'on exonère de cotisations sociales tous les salaires les plus élevés. Alors oui, ça va pénaliser tous les salaires les plus élevés puisqu'ils vont aller faire de la retraite par capitalisation. Mais là, d'un autre côté, ces gens
gens-là, ils s'en foutent peut-être un petit peu. Sauf que ça fait encore un manque à gagner dans nos caisses de sécurité sociale. Donc d'un côté, on enlève notre financement, et l'autre côté, on nous dit, bah oui, mais faut qu'on trouve des mesures pour assurer le financement. Le gouvernement, il se moque de nous. Pensez-y bien, communiquez-le à tous vos collègues, à tous les citoyens que vous rencontrez. Il faut qu'ils sachent la réalité.